Aujourd'hui les potes, on a deux commentaires gagnants. Le premier, c'est le filou qui dit « Eric s'amuse à poser sa tête sur les seins des filles ». Le frérot, il a cru que c'était des coussins, il a pas fini sa nuit. Ou encore Waypix qui dit « PTDR, avec mon pote, tu sais, on se foutait des coups vénères avec des règles ou des stylos. Et là, t'as mon pote qui a balancé un stylo et j'ai esquivé. La prof l'a pris dans le cul, MDR, le malaise. Comment tu fais le mort après le mec qui a rien vu, qui est au courant de rien? Oh, tu te fais discret. » Et sinon, vous l'avez vu au titre, c'est les 20 photos prises au bon moment. On est H24, la nouvelle génération, avec nos téléphones portables à prendre des selfies, des photos à droite, à gauche. Et des fois, il y a le karma qui tombe et tu as la photo la plus drôle et la plus what the fuck. Mon pote, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 30 000 j'aime. Vous adorez ces concepts et si vous êtes prêts, c'est parti. Et ce premier gars, je vous jure, il a tellement la poisse, c'est son premier date, il va enfin gérer une meuf. Il l'invite au restaurant et au moment de chin avec sa bière, il y va trop fort et il lui dégueulasse et trempe son jean. Date terminé, mec. Ouah, ce groupe de gros porcs. La meuf fait un shooting photo, il y a une grande baie vitrée derrière et on voit un attroupement de personnes qui sont en train de la mater, la prendre en photo. Limite, s'il n'y a pas un papy avec ses jumelles comme ça en train de se lécher les papilles, c'est des ouf. Dans le même délire, cette fille qui a envie de faire une petite photo symbolique avec le Père Noël. Mais si on zoome bien sur ses yeux, on voit qu'il est en train de la mater. Regardez à l'intérieur de son décolleté, le Père Noël est un coquin. Et il y a aussi des gens en soirée, ils inventent des jeux complètement tarés. L'objectif étant de mettre sa plus grosse claque dans le ventre de son pote. Regardez la marque et la sorte de grosse crêpe que ça lui fait au niveau du bide. Mais le gars, s'il dégueule pas tout ce qu'il a bu, c'est le grand warrior de la vidéo. Et faut pas croire quand on parle de soirée boîte de nuit, c'est axé que pour les jeunes. Regardez ce papy qui est en train de kiffer comme jamais. Je sais pas si la meuf devant lui, elle est en train de lui taper un méga twerk. Mais le gars, je vous jure, il est déjà en train de se faire des putains film. Oh, il y a des photos qui ont été prises, c'est du vrai génie. Des pom-pom girls qui sont en train de danser et t'as justement les deux meufs qui sont en train de porter leur copine qui vont regarder au même moment sous leur jupe et taper la pire expression, le scarface, le dégoût à l'état pur. À croire, il y a un pangolin qui a accroché entre l'entrecuisse de leur pote. Ce prochain mec aussi, il a dû se taper une bonne barre, il est en vacances sur la plage et il voit une meuf qui est en train de prendre un selfie de son entrejambe, voilà, de son fessier. Je comprends pas les filles quand vous faites ça, à moins que ça envoie à ton copain, mais si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est chaud. Oh, ces deux prochaines images vont nous créer une méga frustration. On a envie de voir comment va se terminer la chute de ces personnes. La meuf se rétame sur sa balançoire. En gros faceplan, imaginez-vous, il y a une rambarde ou une barrière un peu plus loin et elle se la mange en plein dans les dents, l'horreur. Ou ce gars-là, il va pour faire son meilleur plongeon et on sent bien qu'il glisse sur le rebord et qu'il va s'écraser en faceplan. Il a aucune chance, à mon avis, que son corps atterrisse intégralement dans l'eau. Là, il y a le tibia qui va taper sur le bitume. Tu vas souffrir, toi. Et celle-ci, elle est incroyable visuellement. T'as un énorme paquebot qui est en train de couler ou de se renverser et t'as tous les conteneurs qui se pètent la gueule sur le petit zodiac juste en dessous. Mais il va se faire démolir, gros. Ah non, mais moi, je suis là-dessus, je vous jure, je réfléchis même pas. Je tape mon meilleur plongeon pour pas me faire écraser. J'avoue que la prochaine fait taper une grosse barre. La vendeuse qui part récupérer des affaires dans un carton et on a l'impression que le mannequin lui met un gros coup de pied dans le cul. Génial. Ah bah alors elle aussi elle peut prêter à confusion. Des exercices musculaires, baisser le dos et la tête pour se décontracter. Et bah on a l'impression que le mec qui est derrière la meuf, il lui a clairement rentré sa grosse tête dans le cul. Non mais on est d'accord quand même. Là elle est tellement prise sur le bon angle la photo. Ou pareil, ce monsieur qui est en train de dormir, mais on a l'impression qu'il est en train de profiter d'une bonne petite gâterie par la demoiselle qui est à côté de lui. À mon avis, elle devait juste récupérer un truc sur la table ou dans son sac à main. Mais là on a l'impression qu'elle est en train de lui faire sacrément du bien. C'est tellement frustrant de ne pas avoir la suite des images qu'on voit, cette meuf qui tape son petit selfie et on voit la balle de baseball qui arrive à toute vitesse derrière sa tête. Eh mais c'est un truc à finir dans le coma. Et dans le même délire, cette fois-ci, c'est pas la balle qui va dans le décor et dans les tribunes des spectateurs, mais la batte de baseball. Et regardez si on zoome le mec en vert, mais il va se prendre la batte où il l'a déjà prise dans la mâchoire. Mais là, tu te pètes 8 dents et t'es défiguré à vie. Et regardez l'expression du visage de tous les gens autour qui flippent leur race. Et il y a des gens, ils sont vraiment cons, ils le font exprès, on a une énorme bonbonne de gaz, ça peut s'enflammer, c'est bien marqué en gros, ne pas fumer, et le gars il crame sa dour à 10 cm.
Mais c'est un ouf, il joue avec la mort. Alors va vraiment falloir m'expliquer comment c'est possible pour la prochaine. On voit un bébé en déguisement de Superman qui est dans les airs à au moins 5-6 mètres de hauteur. Est-ce que c'est le daron qui a voulu taper sa meilleure photo? Il a fait attends fiston, je vais faire un truc de ouf. Il l'a balancé comme ça, il a sorti le téléphone. Il a plus le temps de le réceptionner. Bras pété pour le gamin. Mais comment il s'est retrouvé dans cette posture? I believe I can fly. Cette scène magique en pleine NBA, des joueurs de basket, il va mettre son meilleur dunk et l'adversaire pour contrer, il va lui rentrer son meilleur doigt dans le pif quoi. Allez, prends ça bâtard. Alors pour tous ceux qui ont des animaux de compagnie, particulièrement un chien, on est d'accord qu'à chaque fois qu'il voit un autre animal, il est obligé de lui sentir le cul, le derche, c'est trop chelou. Et bah même quand il y a un dessin sur un mur, ce chien là va faire la même chose. Il a compris au moins que le chat était pas vivant. Et je vous jure, il y a des animaux qui sont ultra fous, par exemple les mouettes en plein été. Ça sert à quoi, à part faire du bruit, te chier dessus quand t'es posé sur ton transat, sur le sable? Et par exemple, cette meuf, ça fait presque une heure, elle attend sur le remblai pour avoir deux bonnes glaces bien fraîches. Et au moment où elle a fini de payer, t'as les mouettes qui se jettent dessus pour lui pétasser les glaces. Mais comment j'aurais trop le seum à 10 euros la glace? Pareil, regardez l'expression de ce monsieur qui vient de se faire chourave la glace. Il est au bout de sa vie. Nique ta mère. Et dans le même délire, mais cette fois-ci avec des pigeons. Alors, je savais pas qu'il y en avait à la mer. On les voit souvent à Paris, ces gros porcs. Et franchement, c'est pas l'animal que tout le monde préfère. Le petit pigeon qui s'est posé sur la casquette du monsieur, qui est pépère avec son journal. Et justement, la photo qui suit, elle va tellement bien avec. On voit la statue qui porte un grand marteau. On a l'impression qu'elle va exploser, décapiter ces pigeons de merde. J'en ai marre. Je te jure, ils me font trop chier, ces pigeons. Et on va terminer avec deux images. Celle-ci, c'est ma putain de phobie. T'es en pleine mer sur ton bateau et tes potes te disent allez Florian, fais un saut à l'eau, va te baigner, l'eau elle est bonne, elle est fraîche, ça va te faire du bien. Tu dis allez, je suis pas une tarlouse, tu sautes dedans et là qu'est-ce que tu vois? Un requin face à toi avec son petit aileron. Et bah je crois que je me pisse dessus, je fais un arrêt cardiaque. Et alors pour terminer, tous ceux qui ont un chat en animal de compagnie, ça va clairement vous parler. Il essaye de récupérer un bol d'eau un petit peu en hauteur, il va mettre un sale coup de patte dedans et l'intégralité du bol va lui tomber sur la face. Il est trempé, le pauvre, il est noyé. Les potos, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, tenter 30 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans l'espace commentaire, si vous voulez participer à la prochaine vidéo, racontez-moi plein d'anecdotes what the fuck à mourir de rire et tu seras peut-être le grand gagnant. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon Instagram TheFragageDYTB, c'est là où je partage plein d'anecdotes que je vous ai pas dites sur YouTube. On fait des sondages, je vous montre l'avancée de mon appart, c'est le réseau social où je suis le plus actif, ça vaut vraiment le coup. Et si tout va bien, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos. Ciao tout le monde, bye. Les potos, regardez ce qu'il ne faut jamais faire. L'idée de mettre des Mentos dans une bouteille de coca. Ah, la mamie, elle va s'en rappeler. C'est une bouteille de coca neuve. Elle met les 3 Mentos.